C'est dans le cadre de la relance du secteur, donc la pêche, et dans le programme du gouvernement, nous avons envisagé de construire des débarcadères. Nous avons déjà construit un débarcadère à Mahagiport, à Chomia, donc sur le lac Abbé. C'est loin de Kinshasa, les gens ne s'en aperçoivent peut-être pas. Nous avons construit un port de pêche à Vichumbi, un port de pêche à Diavinyonge, là c'est sur le lac Edouard. Nous avons aussi construit des débarcadères au niveau de Vira et de Kalini. Maintenant, la particularité de ces débarcadères, c'est que ça a été la promesse du chef d'État. Vous vous rappellerez que lorsque le chef d'État était ici le 21 mars 2020, il avait promis aux pêcheurs donc de Poule Malibo qu'il devait quand même construire un débarcadère, il devait construire un port de pêche pour eux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que d'ici le mois de juin, tout va finir pour que le 24 juin 2023, que le chef de l'État vienne ici pour inaugurer donc ce port de pêche. Je crois que c'est avec satisfaction que je vois l'évolution des travaux sur le terrain. Parce que là, les bureaux sont presque achevés à part la toiture, le crépissage et toutes les étapes de finition. Se sont déjà attaqués à la chambre froide. Et ce qui reste à réaliser ici, tel que je vois, c'est le marché qui n'est pas construit par ces ports est construit par le gouvernement, en partie du fonds propre du gouvernement, à 100% d'ailleurs.